version du logiciel Pickax avec le mode Power Balance. La date est donc du juin 2013. La batterie en question est une 4S LiPo de type Turnigy, sur laquelle un LiPo alarme est utilisé à l'utilisation, qui permet donc d'arrêter de percer avec la perceuse quand des seuils bas apparaissent. Donc là, on est en train de voir l'affichage des niveaux de tension à vide de la batterie de chaque cellule. Les codes Morse, en fait, c'est simplement 4 clignotants pour 4, 2 clignotants et 0 clignotant, ce qui veut dire 4,20 volts. Le seuil d'équilibrage est réglé à 4,20 volts. Ça veut dire que le système est obligé de voir 4,21 volts pour descendre ensuite le seuil de tension de la cellule unitaire à 4,19 volts. Donc les cellules du haut, les deux premières, sont moins chargées puisque c'est celles qui alimentaient le lipo-alarme. Le lipo-alarme ne fonctionne que sur 2S, même s'il surveille du 4S. Donc on voit les deux dernières cellules en bas qui sont déjà à 4,20 volts. Là, on commence à avoir du PWM qui vient de s'afficher. C'est pour ça que la lumière verte clignote aléatoirement. La lumière verte ne s'affiche que quand la décharge dépasse 5 pas du WM. C'est équivalent à 2 ou 3% de la décharge. On voit que le logiciel régule aussi, le logiciel du Pickax, un Pickax par cellule. Et au bout d'une minute, le système s'arrête de réguler et remet de nouveau un indicateur de tension. Le Power Balance donc est une instruction toute simple. Le programme regarde combien de fois vous restez avec un PWM actif, c'est-à-dire une décharge, c'est-à-dire avec cette LED verte qu'on voit. Et au bout de 400 itinérations, le système envoie une baffe sur la cellule, tout simplement. Il la décharge à 1 ampère directement. Ce qui va créer un effet de bord. Ça va donc décharger très vite la cellule qui est un peu trop haute par rapport aux autres. Et ça va dissiper cette énergie sur les cellules adjacentes. Donc ça peut créer des surtensions sur les cellules annexes. On va le voir. Donc là, on le voit, la cellule qui est en cours de décharge, elle est à 4,19 volts. Le programme fait donc son travail, il la maintient à 4,19 volts. La quatrième cellule commence à se décharger aussi, la lumière commence à s'allumer. La LED d'indication verte ne s'allume que quand on dépasse 2 ou 3% de la décharge. Sinon, j'ai choisi de ne pas l'allumer, puisque pour une faible décharge, comme on le voit maintenant, ce n'est pas très nécessaire. La résistance ne chauffe pas, donc même s'il décharge, ça n'aura pas d'influence.
Voilà. Donc, la troisième cellule, elle a fait un power balance. Ça veut dire qu'elle a monté à 1 ampère la décharge, ce qui a créé un effet de bord. Ça a créé des surtensions sur les autres cellules adjacentes. Ça a donc dépassé les 4,24 volts. Et à ce moment-là, le programme met 1 ampère sur toutes les cellules en fait. Et ensuite, de manière dégressive, il descend la décharge jusqu'à ce que la cellule arrive au seuil de 4,19 volts. Le programme n'est pas rapide, hein, justement pour éviter que la tension soit instable. Voilà, donc on voit que le PWM s'arrête sur les deux premières cellules qui sont les plus basses et les deux autres restent en place. C'est pour ça que le power balance est utilisé que de manière très aléatoire, c'est-à-dire pas souvent, parce qu'il est censé récupérer des déséquilibres qui ne peuvent pas être récupérés par une décharge constante. Ça veut dire que c'est trop long en fait. C'est préférable d'envoyer du power balance pour accélérer l'équilibrage des cellules. Donc d'après mon timing, le power balance il fonctionne toutes les 3 minutes. Power balance a été appliqué sur la quatrième cellule. Cette fois-ci, ça n'a pas créé de... J'ai parlé un peu trop vite. Il y a bien eu une surtension généralisée. Et donc, au niveau du chargeur, on voit qu'effectivement, la tension, le courant demandé reste important. Puisqu'avant, il était à 0,5 ampères, il est monté à 0,8 ampères. La quatrième cellule a fini de dépasser 50% de la décharge. Quand c'est rouge, c'est que 50% de la décharge, c'est-à-dire 500 mAh, sont utilisés. Et quand c'est vert, c'est que c'est moins de 500 mAh utilisés. La résistance en blanc, derrière, à gauche, permet une décharge de 1,1 ampère à 4,2 volts. Donc vous voyez que le seuil de sécurité, c'est-à-dire lorsqu'on a entendu les buzzers, correspond à une tension qui dépasse 4,24 volts par cellule. Donc cette tension d'alarme ne reste pas très longtemps. À ce moment-là, le Picax renvoie carrément 1 ampère de décharge pour que ça descende immédiatement. Et c'est pour ça que le buzzer ne sonne pas très longtemps. C'est parce que la tension redescend immédiatement.
Voilà, c'est ça l'introduction du Power Balance dans le programme PICAX. Ça permet d'accélérer l'échange des capacités entre les cellules, tout simplement en créant des déséquilibres de tension rapides entre chaque cellule, au lieu qu'on attende éternellement que les cellules se rééquilibrent avec une faible décharge qui est maintenue sur chaque cellule. Ça, c'était les premiers programmes PICAX. Donc, ce que je faisais, c'est augmenter graduellement la décharge de chaque cellule qui dépassait 4,20 volts. Mais en fait, ça ne récupérait pas assez vite les déséquilibres entre les cellules. Ça fonctionnait bien sur des packs de 9 ampères-heure, mais dès qu'on passait 15 ampères-heure, ça n'arrivait pas à rattraper le déséquilibre. Par contre, ça fait son travail, hein. Ça permet de maintenir les cellules à un seuil de tension de sécurité, le seuil d'équilibrage. C'est ce que font tous les BMS de toute manière. Donc cette fois-ci, le power balance a été déclenché par la deuxième cellule. On voit que le power balance a ensuite été appliqué sur la quatrième et la troisième cellule, ce qui a créé une surtension sur la deuxième cellule. Et on voit que la première cellule n'a pas de surtension. Donc avec les trois dernières cellules en surtension, c'est-à-dire en décharge forte, ça injecte tout le reste du courant du chargeur dans la première cellule, ce qui accélère l'équilibrage. Bon, c'est une méthode de boucher, évidemment, hein. Pour ceux qui n'aiment pas brusquer les cellules, ils apprécieront peut-être pas. Mais pour moi, ça doit rattraper un déséquilibrage. C'est le but premier du BMS PICAX. Donc la cellule 2 est à 4,20 volts, ce qui est parfait puisqu'il y avait un déséquilibre avant entre les troisième et quatrième cellules sur le bas. La première cellule est aussi remontée à 4,20 volts. Donc toutes les cellules sont au seuil de 4,20 volts. Celle du bas attendait depuis un petit moment. Et celles du haut, elles atteignent maintenant le seuil d'équilibrage. Donc bien sûr, vous pouvez régler dans la programmation tous les seuils que vous voulez. Généralement, on essaye de calibrer la tension du chargeur pour qu'elle soit un peu plus basse, ce qui permet d'augmenter le power balance que sur quelques cellules uniquement.